Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Café de bienvenue. Alors aujourd'hui, on est le lundi 3 juin. Et aujourd'hui, nous fêtons notre anniversaire de mariage. Chéri est allé m'acheter un bouquet. Alors, il m'a pris des pivoines parce qu'il sait que moi, les pivoines, c'est vraiment ma fleur préférée. Parce que j'ai jeté les miennes, vous savez, j'avais des blanches, mais là, dès qu'on touchait le vase, toutes les pétales tombaient. Donc là, il m'en a offert un autre bouquet, j'adore. Merci, mon amour. Elles sont super belles. Alors, il m'a pris des blanches et des roses. Je vais les mettre dans un vase. Tranquille. Je vais quand même finir mon café. Oui, aujourd'hui, nous fêtons notre anniversaire de mariage. Ça passe trop vite. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, dimanche, c'était repos. Hein. On n'a pas fait de peinture. On a terminé la peinture, enfin, on a terminé presque la peinture samedi. Aujourd'hui, chérie doit aller... il te reste combien? Deux ou trois portes? Trois portes. Il lui reste trois portes. Enfin, la deuxième couche à faire sur trois portes. Là-haut. Je vais le laisser y aller tout seul. Parce que moi, aujourd'hui, il faut que je vous tourne. Vous savez, la vidéo Timou, je vous ai dit que j'avais reçu les colis. Et la semaine dernière, je n'ai pas pu faire ma vidéo. Donc là, aujourd'hui, je vais faire ma vidéo Timou. Donc je pense qu'il n'a pas besoin de moi pour aller faire ça. Hein. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Lui, il faisait les portes, l'enduit, les portes, etc. Donc là, c'est à lui d'aller faire. Et puis, moi, quand j'aurai fini ma vidéo Timou, ça dépend à quelle heure je vais la finir. Mais après, il faut que je la monte, donc non, je ne pourrais pas aller l'aider. Enfin bref, tout ça se fera en temps et en heure. Comme on vous a dit, on n'est pas pressé, on a le temps, on ne va pas se mettre de pression inutile. Hier, j'ai fait pour notre goûter, j'ai fait des pancakes à Ijeba. Je vais vous les chercher. Ils sont dans la boîte. Moi, j'en ai mangé deux. À manger toi? 4. Hein? T'as mangé 4? Purée. Vous voyez, c'est ça. Je vais vous en sortir un. Bon, celui-ci, c'est un peu cramé, mais je vais vous montrer le côté qui est le moins cramé. Vous voyez, ils sont assez épais. Alors, je les ai faits à la farine d'orge. Oui, c'est ça. Et du fromage blanc, 2 œufs. Alors, ils sont pas sucrés du tout, mais ça va. Moi, hier, ce que j'ai fait, j'ai mis vraiment un peu de miel sur le dessus. Toi, tu as mis quoi? De la confiture? Oui. Ouais. Et de la confiture. Et franchement, il en reste 5. Ouais, c'est ça, parce que je crois que j'en avais fait 11. Donc, c'est pas mal. À refaire, parce que franchement, ils sont épais, ils sont bien. Et franchement, ils sont bien. Donc j'en referai vraisemblablement. Là, ce que je vais faire, c'est aller mettre mes belles fleurs. Je sais pas si on les voit. Si on les voit, là, regardez, on les voit bien. Elles sont trop belles. Je vais aller mettre mes belles fleurs. Il est 11 h. Je vais regarder qu'est-ce qu'on mange sur la recette. Hier, on a fait cette recette là et c'était très bon. Poulet aux légumes, et c'était super bon. Mais c'était super bon. Franchement, je vous laisse si vous voulez faire un screenshot de la recette. On s'est bien, bien régalé. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais aller mettre mes fleurs dans l'eau et puis préparer le repas. Je ne sais pas ce qu'on mange encore. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors les amis, il est presque 16 h. Je vous retrouve dans le dressing avec la vue sur le dressing de chérie. Enfin bref, la vue est pas top, mais c'est comme ça. J'ai donc tourné ma vidéo Timou. Donc je vous en tournerai une deuxième. Hein, quand je vous ai dit, il me manque certains articles.
Et là, je vais faire le montage. J'en ai pour un moment. Hein. Enfin, je vais commencer à monter les rushs et on verra après si je peux commencer le montage de cette vidéo. Je n'aurais pas pris beaucoup cet après-midi, j'en suis désolée. Mais il faut que je fasse le montage de cette vidéo. Bon, je vais me mettre sur le montage et puis je vous reprendrai vraisemblablement ce soir. Je vous reprendrai ce soir. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, changement de plan. Finalement, je vous avais dit que je vous reprendrai ce soir pour la préparation du repas. Changement de plan pour notre anniversaire de mariage. J'ai dit à chérie, allez, on va manger au restaurant. Exactement. Exactement. On va manger au restaurant. Et Festi, elle a l'intention de s'en mettre plein les dents. Je lui ai dit, j'ai tellement faim, je crois que je vais faire la totale. Alors, il me dit quoi? Il me dit entrée, plat, dessert. Je lui dis non, apéro. Entrée, plat et dessert. Alors, c'est pas tous les jours notre anniversaire. Alors, on est en train de chercher. Moi, je voulais aller... comment ça s'appelle, la criée, pour manger du poisson, être raisonnable dans l'excès. Chérie me dit non, j'ai pas envie. Après, il me dit, on va quand même pas aller retourner au couscous. J'ai dit non, c'est bon, couscous, ça va 5 minutes, mais là, on en a mangé coup sur coup. Et puis finalement, il avait envie d'une viande rouge. On va aller au Buffalo. Et en plus, c'est à côté de la maison. Vous remarquerez, on prend toujours des grands trucs gastronomiques. Non, pourquoi faire? Bon, c'est vrai que là, on aurait pu marquer le coup pour notre anniversaire de mariage, mais le principal, c'est pas de faire à manger. Oui, et puis alors, bon, voilà. Bon, comme on bricole pas mal en ce moment, on a besoin d'un peu de détente. Ouais, hein? C'est ça. Voilà. Bon, je vous montrerai si je prends la totale ou si j'ai les yeux plus gros que le ventre. Je vous montrerai tout ça au restaurant. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on est mardi 4 juin. Je vérifie, oui, c'est ça. On est le 4 juin. Je vous accueille sur mon café bienvenue parce que j'ai rendez-vous à 11h40 chez mon toubib. Il est... Non, midi. Quelle heure? 11h40. Là, il est 10h40. Donc, j'ai rendez-vous dans une heure. Et comme c'est à Pontoise, c'est pas à côté, je me dis, je vais avoir envie de faire pipi. Donc, c'est pas la peine. Je prendrai pas mon café. Je le prendrai sûrement en revenant. Donc, hier, on est allé... J'ai l'impression que vous êtes de travers. Non. Hier, on est donc allé au restaurant, comme vous l'avez vu. On a pris on est allé chez, mais si vous êtes de travers, c'est quoi ça là, je le vois là, à mon plafond qui est pas droit. Donc on est allé chez Buffalo Grill. Merci. Et on a pris des avocados toast. Apparemment, c'est une nouvelle. Ou alors, il y a très longtemps qu'on n'y a pas été. Et on a pris des avocados toast. Et c'était très bon, chérie. Moi, on a beaucoup apprécié. Bon, lui, après, il s'est pris une viande. Parce que de toute façon, il voulait manger une viande rouge. Et moi, j'ai pris un hamburger au bleu. Ça, c'est le truc que j'adore. Il était quand même volumineux. J'ai pris mon temps, mais j'ai tout mangé. Après, le dessert, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là, on est raisonnable, mais pas du tout. On s'est pris une diligence diligence de dessert, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ça, diligence des desserts? C'est ça. Et bon, finalement, on a tout mangé. Par contre, cette nuit, j'ai très mal dormi parce qu'on a pris du vin californien. J'adore le rosé californien. Par contre, ils ne l'ont plus. Et donc, on s'est pris une bouteille de rouge. Vous voyez, elle est ici. On a bu deux verres chacun, je pense. Hein,
que là, il en reste un peu plus de la moitié. Et moi, ça m'a tordu. Ça m'a tordu. J'ai plus l'habitude de boire de rouge ou de vin, d'une manière. Le seul vin qu'on boit, c'est quand on prend notre apéritif et que je mets soit un rosé pamplemousse, soit un rosé Schweppes. C'est le seul verre de vin que je bois, quoi. Et j'en bois un à l'apéro. Ah non, je vous dis, j'ai perdu la routine. Hein. J'ai été me coucher, j'étais vraiment pas bien. Enfin, pas bien, je roulais pas par terre. Hein. Mais je sentais que j'étais pompette, quoi. Et toute la nuit, j'ai eu des remontées acides et tout. Oh là 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 là, mon Dieu, quelle nuit de marde. Donc là, je suis un petit peu crevée. Et cet après-midi, donc, on termine et j'espère, on va prendre les doigts de pied et tout, j'espère finir le papier peint, comme ça, ce sera fait. On pose les rideaux, terminé, basta. On arrête. Parce que, mine de rien, la maison, elle est un peu en bazar, parce que je m'en occupe pas, quoi. En plus, hier, j'ai filmé la vidéo Timou, je l'ai montée, enfin, j'en ai monté une partie. Maintenant, il faut que je fasse les incrustations, etc. Donc, ça me prend du temps. Et la maison est un peu délaissée, mais bon. C'est pas non plus catastrophique, hein. Vous avez vu mes belles pivoines? Je vais essayer de vous les zoomer. Elles sont trop belles, mes pivoines. Elles sont bien ouvertes, hein, t'as vu? Oui, elles sont belles. Hein. Bon, les blanches, elles sont très ouvertes. Elles vont tomber rapidement, mais quand Chéri les a achetées, elles étaient déjà très ouvertes. Mais bon, je pense qu'on va les garder un petit moment. Voilà. Bon, je vais pas me faire plus longue. 10h47. On part à 11h? Oui. 11h. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vous reprends, je ne vous ai pas pris beaucoup aujourd'hui. Je vous ai laissé ce matin en vous disant que je partais chez le médecin. Donc, j'avais rendez-vous à 11h40. Elle a dû me prendre à midi moins le quart. 12h40, 12h45, je ne sais plus qu'est-ce que ce soit. Plus d'une heure de retard, ça c'est sûr. Et puis, donc après, on est rentré. On est allé acheter, bon, elle est passée à la pharmacie, acheter mes médicaments. Qu'est-ce qu'on a fait après? On est passé vite fait à Super U. Chérie s'est pris un sandwich et moi, je me suis pris un plat tout prêt. Parce que je ne voulais pas faire à manger. Hein. Il était 1h30, c'est bon. Et puis là, ce soir, je vais faire je ne vais pas les faire en brochette. Je vais faire du poulet au curry rouge. Toujours sur le livre à IGBA, là, parce que j'ai décongelé le poulet, donc je pensais le faire ce midi, donc là je vais le faire ce soir. Ouais, je vais faire ça tranquillement. Je vais regarder si j'ai tout, et puis je ferai ça ce soir. Voilà, donc peut-être que je vous montrerai, mais ça n'a pas l'air d'être compliqué, hein. Bref, on verra selon, parce que là il est encore trop tôt, hein. Il est 6h-25, je n'ai pas mis mettre maintenant, mais ça c'est ce qu'on mange pour ce soir. Allez, je vous laisse parce que donc après on est allé. Oui, donc on est rentré, on a mangé vite fait. Ensuite, il devait être 2h30, 3h quand on a commencé à poser le papier peint et on a arrêté 2h. On a fait 2h, mais chérie m'a dit j'en peux plus, les bras en l'air, les bras. Il m'a dit là je suis fatiguée, on arrête. Donc on a arrêté, on finira demain. Il reste pas grand chose à faire. Très honnêtement, on a fait les deux tiers. À peu près, hein? Oui. Il reste un tiers, donc on se fatigue pas, on le finira demain. Demain matin, en plus, j'aurai pas le temps de vous prendre parce qu'on a rendez-vous à 9h au garagiste pour la voiture, pour sa révision annuelle. Donc, j'aurai pas le temps de vous prendre. Après, on va passer chez Action pour acheter un petit pot de peinture du luxe, là. Elle est très très bien, hein. Racheter un petit pot. Par contre, vous m'avez demandé ce qu'on pensait des peintures. Alors, le petit pot de peinture du luxe, lui, il est très bien. Chéri m'a dit il a connu mieux au niveau du blanc à plafond. On avait pris un petit seau comme ça. Bon, ça a fait son job, mais il m'a dit qu'il avait connu mieux. Il n'en était pas satisfait. Il ne rachetera pas. Alors que la du luxe,
On va en racheter parce qu'il y a deux, trois endroits qu'on a oublié de faire, comme les dessus de porte. Donc il nous en refout, donc on va racheter un petit pot. Donc demain matin, après la voiture, on va faire ça. Il faut que je repasse à la pharmacie chercher un une solution qu'ils doivent me préparer. Et puis on finira le papier peint demain. Encore une journée marathon demain. Bref, demain est un autre jour. On va finir cette journée-là déjà. Allez, je vous dis à plus tard ou à demain. Alors après avoir fait revenir mon oignon rouge, j'ai coupé une courgette et une aubergine en petits morceaux. Je vais faire revenir tout ça. Je vais mettre un peu d'eau, je vais couvrir. Et ce que j'ai déjà fait, je ne vais pas montrer parce que bon, il n'y a rien de sorcier. J'ai pris une sauce curry au lait de coco. J'ai coupé deux escalopes de poulet en petits morceaux et je les ai mis mariner dans cette sauce curry là au lait de coco. Donc c'est au frigidaire. Donc une fois que mes légumes sont bien cuits, je vais m'occuper de la viande. Voilà. Ça c'est les couvercles. Donc je vais faire cuire mon poulet qui a mariné dans la sauce. Alors, tout est cuit, mon poulet. Ma poêlée de légumes. Et du riz basmati. Donc je vais me servir de tout ça. Je vous montre, je me sers à l'assiette et je vous montre. Alors, voilà l'assiette, ce que ça donne. Du riz, 150 grammes. Des légumes, j'ai mis au pif. Et mon poulet à la sauce curry. Bon appétit et à demain. Moi, je suis dans la voiture de ma fille là. Chérie est partie au garage donc pour porter une autre voiture pour faire la révision. Après, on passe chez Action. Faut qu'on rachète de la peinture. Des petits rouleaux de pain comme ça, vous savez, grands comme ça, pour faire tous les entourages de portes. Il y a des petits raccords par-ci par-là à faire. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il nous fallait encore? Enfin bref, on va aller chez Action après. Bon, on va attendre que
Ah, la voilà qui arrive. Allez, je vous laisse et puis je vous reprends retour. Je me rends compte, je ne vous ai même pas dit bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est le bonjour d'Alfred. Non, c'est pas ça, c'est le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. Mais là, bah, c'est t'as le bonjour d'Alfred. Bonjour à tous. Alors, on est mercredi. Je sais pas quel jour, 5, logique. Oui, le 5. Le 5 juin. Donc, café bienvenue, il est 10h30, on rentre que seulement. Oui, que seulement. Donc, la voiture a bien été déposée à 9h. Merci. Ensuite, nous sommes allés chez Action. Et là où c'est un nouvel Action hein, qui est ouvert depuis très peu de temps, et on a vu que à proximité il y avait un Normal qui venait d'ouvrir ou qui va ouvrir, on sait pas, parce que là c'était fermé forcément hein, il était 9h. Il n'y a qu'Action qui ouvre à 9h, sinon les centres commerciaux ouvrent à 10h. De là on a fait notre petit tour chez Action. On est allé ensuite chez Picard, parce que Chéri n'avait plus. Il voulait aller chez Lidl pour acheter des croissants. Et je lui ai dit non, moi je vais pas aller chez Lidl parce que il y a du monde, etc. J'ai dit si tu veux, on va chez Picard. J'ai reçu un mail me disant que certains produits Picard étaient à moins 33%. Alors je m'excuse pour le bruit, mais c'est notre robot qui fonctionne là. Regarde la chienne. Et donc on est allé chez Picard, il a pris ses croissants, on a pris ça c'est le nouveau qui part. Ouais. On a pris des croissants, enfin on a pris des trucs intéressants à moins 33% et puis d'autres à moins rien du tout. J'ai trouvé des asperges vertes à moins 33%, donc ça je les ai pris parce que au lieu de 7,99, elle passait à moins 2,50. Donc ça nous fait 5,49, si je sais bien compter. Ouais, 5,49. Happy est en train de mettre le dawa sur sa couette là, sur son truc. Ah là là. Donc je vous ferai un haul Picard après, parce que là on est rentré, on a tout mis au congèle, donc je vous montrerai après ce qu'on a acheté. Et puis là chérie est en train d'attendre que ses croissants soient prêts. Non, un pain au chocolat, pas les croissants. Ben, tu devais pas acheter les croissants? J'ai acheté les croissants, ils sont en bas. Ah d'accord, donc il a pris croissant et pain au chocolat du coup. Et pain au chocolat. Une petite faim du matin. Et t'as pas déjeuné ce matin avant de partir? Ouais mais c'était pas bon. Bref, on va faire ça tranquille. Ce matin on va peut-être pas attaquer tout de suite le papier peint. Ah, on va y aller en début d'après-midi je pense. Parce que là, il est quelle heure? 11h-20? Ouais. Ouais, 11h-20. Manger et puis il va se coucher. On va fait. Donc on fera ça après déjeuner, on va manger et on ira tranquillement. Les croissants, le pain au chocolat, je mange dans l'air fryer. Je veux pas me brûler, je prends un top chocolat. Regardez s'il est beau. Combien de temps tu as mis l'air fryer? Comme d'habitude, c'est-à-dire c'est prévu normalement 20 minutes à 180, là c'est 9 minutes à 200. Voilà, comme ça, en fonction grill ou en fonction air fryer? Non, air fryer. Voilà, comme ça vous avez. Oh, c'est Chéri qui s'occupe de ça hein, tous les matins, il fait ses croissants ou son pain au chocolat, c'est lui qui se le fait tout seul. Voilà, bon, je vous laisse et puis on se reprend plus tard.
Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi 6 juin. Café de bienvenue. Attendez un peu avant de se brûler. Alors, je ne sais plus si je vous ai repris hier ou pas. Je vais peut-être me répéter, mais on a terminé les travaux de papier peint. Oh purée. Hier, il nous restait un tout petit bout, un angle comme ça, concave. Convexe, bref. Juste, mais alors, il y avait 3 cm d'un côté et les 4 de l'autre, quoi. Vous voyez, entre deux portes comme ça. On l'avait oublié, on était obligé de recontinuer. On n'en pouvait plus, hein. Sincèrement, on n'en pouvait plus. Mais ça y est, le papier peint, c'est fini. Alors, hier, ce qu'on a fait, on a récupéré notre voiture à 13h30, un truc comme ça. Ensuite, on est allé chez Action pour acheter de la peinture, justement, parce qu'il manquait, pour faire quelques retouches, vous savez, au-dessus de l'entourage de la porte. Moi, je suis peut-être un... Donc, j'avais pas bien sur le bout de bois qui est à peu près de cette hauteur-là, j'avais pas peint ici au-dessus. Donc, quand on a posé le papier, effectivement, on s'est rendu compte que il y avait encore de la peinture, de l'ancienne peinture, quoi. Donc, Chéri est allé, c'est pour ça qu'on a racheté la peinture chez Action. Après Action, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On a fini le papier peint, ça nous a pris 3 heures. Enfin, on a fini, il était 18 heures. Alors, je ne sais plus si on est allé le matin ou l'après-midi chez Picard. Il est temps que ça s'arrête parce que là, j'ai la tête, elle est farcie. Alors, attendez, j'ai le ticket. Est-ce qu'il y a l'heure là-dessus? Non, c'est le matin, à 10h10. Donc, c'est le matin, on est allé à Picard. D'ailleurs, il faut que... Alors, est-ce que je vais vous l'inclure dans ce vlog ou est-ce que je vous ferai un haut la part? Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que là, donc, chérie... continue la peinture, les restants qui, enfin vraiment c'est que du rattrapage quoi. Et cet après-midi, là je lui donnerai un coup de main parce qu'il faut poser la tringle qui fait 2,10 m je crois, avec les doubles rideaux que j'ai acheté chez Action, les gris, la velours gris. J'ai hâte parce que ça, une fois posé, c'est fini, terminé, il n'y a plus rien. Donc, autant vous dire que là, c'est vraiment que de la bricole qui reste à faire. Donc, ça va. Moi, aujourd'hui, j'ai pas. Enfin, ce matin, j'ai dit, écoute, vas-y, fais-le tout seul. Parce que moi, j'ai deux vidéos à terminer. Il faut que je termine la vidéo sur l'aspirateur Ultenic D10, le noir, là. Il faut que je fasse la conclusion. Et il faut que je termine la première vidéo Timou. J'attendais pour savoir si j'allais recevoir le dernier article. Je ne l'ai toujours pas reçu, donc ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. C'est pas grave. J'ai gardé quelques articles, donc c'est pas grave. J'espère d'ici là, la semaine prochaine, je pourrai vous la tourner. Mais tant pis, sinon. Donc j'ai deux vidéos là à terminer. Il faut que je me mette sur le montage de ce vlog. Je n'ai rien fait. Bon, je pense pas que ce soit comme, comme d'habitude, je n'ai pas une vie très intéressante non plus. Hein. J'ai la vie de madame et monsieur tout le monde. Mais je ne sais absolument pas le contenu qu'il y a. Sûrement beaucoup de blabla, comme d'habitude, quoi. Donc, il faut que je commence à monter. Parce qu'il ne reste que demain après, et puis là, je vais travailler en aveugle. Je ne sais pas du tout, s'il y aura du contenu, s'il y aura suffisamment, s'il sera court, s'il sera long, je n'en sais strictement rien. Quoi qu'il en soit, et ça recommence à devenir sombre, hein, c'est pénible ça. Pourtant, il y a un beau soleil, je ne comprends vraiment pas. Regardez, il y a un beau soleil. Vous voyez ? Hop, peut-être que là, et du coup, il va revenir clair. Ouais, peut-être, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je vais me mettre sur... je vais filmer donc la conclusion de mon aspirateur D10.
Et puis je vais me mettre sur le montage direct après. Allez, je vous retrouve cet après-midi. On croise les doigts pour que ce soit terminé. Que les travaux, parce que là c'est que de la finition, donc j'espère qu'il va pas nous arriver une marde et qu'on faut qu'on parte toutes les choses comme ça. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. J'espère que ça sera terminé ce soir. Allez, je vous laisse et je vais conclure ma vidéo sur mon aspirateur ulténiqué. Allez, à ce soir ou à cet après-midi, je ne sais pas. À tout à l'heure. Les amis, je vous reprends. Il est 6h-20. On a terminé, ça y est, c'est fini, les travaux sont terminés, donc je vous ai filmé le après. On est content que ce soit fini, hein. Je vous le dis honnêtement, on est content. Donc on a fini, il était quelle heure, 4h? Oui. Oui, il était 4h. Donc là, moi je me suis mis un petit peu sur le montage de ma vidéo, donc c'est pour ça que je vous prends que maintenant. Je me fais une petite tisane, je me suis mangé, mais bon, je me suis mangé une banane, j'ai pris 2 carreaux de chocolat noir. Et là, je me fais une petite tisane, mais ça y est, c'est terminé, vous n'entendrez plus parler des travaux. Enfin, avant un moment, parce que il va falloir qu'on continue quand même aussi les travaux de finition qui ont besoin d'être faits. J'aimerais bien faire le tout. Mais ouais. Mon petit bureau, oui, refaire le séjour ici avec la cuisine et la montée d'escalier. Mais la montée d'escalier, notre fils nous a dit qu'il avait un collègue, un copain, je ne sais plus, qui faisait des petits travaux comme ça. Donc il lui a demandé de passer à la maison pour nous dire ce qu'il envisagerait dans l'escalier. Quoi, parce que c'est... Faut monter comme un petit échafaudage, savez, c'est pas pratique. Et puis bon, on est plus tout jeune, et puis j'ai pas envie qu'on se fasse du mal dans l'escalier, que chéri tombe ou quoi, j'ai pas envie. Donc peut-être que la montée d'escalier, on le fera faire, mais nous après on peut gérer le petit bureau là-haut et cette pièce là on peut la gérer également, on l'a déjà fait et on le refera encore, hein. Mais le tout c'est de trouver le papier qui me convienne pour mon petit bureau. Moi, j'ai pas eu de coup de cœur. Je crois que je vais prendre un truc simple, blanc. Voilà. Blanc avec un peu des effets de matière et puis ce sera très bien. Comme je trouve pas quelque chose qui me plaît, je pense que je vais faire ça. Bon, je bois mon petit thé et puis je crois que je vais retourner monter, faire du montage. Et puis nous, on se dit à demain. Demain, c'est vendredi. Et j'ai toujours pas monté un millimètre de vidéo de ce vlog. Allez, à plus tard, à demain. Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve. On est vendredi. Il n'est pas de bonne heure. Il est midi. Ce matin, on avait encore des trucs à faire à la maison parce qu'on a un petit peu oublié la maison avec ces travaux-là. Donc là, on... Ce matin, je fais tourner des lessives, enfin bref, des trucs sans intérêt. Et puis là, je vais me mettre à table. Alors, ce que je vais me faire, c'est des légumes cuisinés. C'est des légumes surgelés. Alors, je ne sais plus où j'avais acheté ça. Mais ça me fait envie pour ce midi. Et il me reste, l'autre jour, quand j'ai fait mes courses, j'ai acheté charal, mais je pensais que c'était des steaks. En fait, ce n'est pas des steaks. Je vais rapprocher au plus près. Vous voyez, c'est coupé très très fin, un peu comme des carpaccio si vous voulez. Vous avez deux ronds de viande, mais coupés très fin. Et moi, l'autre jour, je ne l'ai pas vu. Donc, je les ai fait cuire à la poêle. Bon, c'est pas facile parce qu'il fallait du coup les dépiauter. Mais. On a bien aimé. Alors, comme là, il m'en reste un à finir avant le 7. Et nous sommes le 7. Vous voyez, c'est comme ça à l'intérieur. J'avais pas fait attention, commandant. C'est très bon, hein, la viande est très bonne. Hein. Mais bon, je vais les faire revenir à la poêle. Avec ma petite poêlée. Ça va être très bien. Donc, je vais me mettre à la popote. Je vous montrerai une fois que c'est cuit ce que ça donne. Il y a Minoucha qui est venu juste à l'instant, mais j'avais pas. Où est-ce qu'il est là dans les parages? Minoucha? Minouche? Non. Il est parti, il traîne pas. Hein. Il vient, il va chercher ses caresses, il mange les 3-4 croquettes et il s'en va. En plus, là, chérie a passé la tondeuse ce matin.
Parce que là, ça avait bien poussé, un coup de soleil, un coup d'eau, un coup de soleil, un coup d'eau. C'était la jungle. Bon, je vais faire à manger, je papote. Allez, et je vous montre à l'assiette. Alors, voilà mon assiette pour ce midi. Et puis avec ça, ben, je mangerai un yaourt, parce que j'ai fait des yaourts nature. Allez, bon appétit. Alors, ce soir, les petits-enfants sont à la maison. Donc, on a voté. C'était soit des crêpes surgelées, soit un McDo. Bon, ben, on va manger McDo. Oula. Bon, on va se mettre à table. Allez, bon appétit. Alors, je vous reprends. On a fini de manger. Enfin, les enfants sont bien régalés avec le McDo. Moi, j'avais vraiment pas envie d'un hamburger. Mais enfin, bon, eux, ils se sont bien régalés. Donc là, on a terminé. On va regarder un film avec les enfants. Je sais plus, j'ai perdu dans l'espace, je crois. Et moi, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, parce que demain, c'est le grand jour. On reçoit notre nouveau, vous savez, frigidaire Ayer. C'est Ayer? Non. Hisense. À chaque fois, je confonds. Donc, on le reçoit demain matin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider toute la partie frigo. Donc, je n'ai pas fait de course. Il y a vraiment rien. Enfin, il y a trois fois rien dans le frigo. Donc, je vais déjà vider ça. Par contre, tout ce qui est dans le congèle, je vais le laisser. Et je le descendrai demain et je mettrai tout dans le congélateur américain qui est en bas. J'attends demain matin pour le faire. Mais je vais déjà vider le plus gros de ce frigo-là. Donc j'ai deux cagettes comme ça, je pense que ça devrait le faire pour descendre tout ça. On va voir. Je vais continuer mon rangement vidage de mon frigidaire, mais vous en doutez, je vais clôturer cette vidéo maintenant. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager éventuellement et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !